Yeah! Alors, salut à tous! Alors, par contre, comment on change de jeu? C'est dans cette ville hier. Le son était pas trop fort, je l'avais monté. On va redescendre un peu parce que quand on va tirer. Oh, mais ok. Donc, ouais, vacances. Des parents, donc salon. Je devais cramer des gens qui avaient pas pop. Du tout. Je m'en rappelle à l'instant. Donc on est parti? Je suis couillon, moi. T'inquiète, ma girl, je gère. Qu'y a-t-il de plus formidable qu'un tas de cendres? Rien! Rien du tout! Hey, faire du mal! Ah. Venir bientôt! Ah, j'aime dire d'où ça passe pas avec lui. Ouah, il est en 50 vies! Je suis mort! Ah oui, c'est vrai, j'ai l'art de boxer! Merde, la cendre! Bon, je vais pas m'amuser à les tuer, ils sont trop bas à nouvelle. Je vais me livrer les cendres. Ces enfants d'As dont je ne peux que rêver. Mère triste nouvelle, va te brûler. Des idolâtres sont parmi nous. Des enfants qui ont trahi leur seule vraie mère, le faucon ardent. Ils s'adorent un demi-dieu païen du nom impie de brûlure. Je t'implore de détruire cet imposteur et tous ses disciples. On s'en fiche. Tu trouves quelqu'un d'autre à adorer. Quoi, toi, Eton doit avoir tout. Viens me voir, toi. Le sang. C'est notre seule chance d'apprendre ce projet. Quelque chose que nous devons empêcher. Il va mourir. Chantir. Ouais, on porte un peu d'XP quand même, les Goliath. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Mais crève! Ouais, faut que tu entre vous. Viens là! Merde, je sais plus. C'est pas la même expression, mais on dirait presque, tu sais, une expression de merde. Comme dans Die Hard. Mais à la fin, ils disaient pour finir le mec. Si tu supportes pas la pression, t'as qu'à faire plus. L'iridium! Merci. Tellement plus sympa à tuer que dans Borderlands 1, c'est bestiole.
brûlure. Non, mauvaise idée. Ah bah j'ai plus de sur ça. Oula, oula, oula. Majestic a fait des siennes. Non, non, aïe, 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 aïe. Mais 300 points d'XP. Je sens le sourire de Fourgoin Ardent qui nous illumine. Toi aussi, je te touche. C'est un rôle de culte, mais je dois avouer que j'ai trouvé plutôt flatteur qu'il puisse faux dieu pour moi. Bien joué. Je suis trop narcissique. Faut de la thune et des mines et pour avoir de la thune faut des armes. Je pisse à la revendre chez le marchand d'armes. Ah. Allez, et Borderlands 3 à finir. Borderlands 3 à finir, Borderlands à finir pour préparer le 3. Ces gens sont dingues, mais on ne les a vus faire de mal qu'à eux-mêmes et à ce brûlure. On peut peut-être les laisser vivre en paix. Le grand embrassement est proche, Torche. Mais le faucon ardent m'a parlé dans mes rêves et a demandé un autre sacrifice. Mais c'est même pas vrai. Que son préféré soit brûlé vif, le nabo du nom d'Allumette. À toi de le conduire jusqu'au Soaring Dragon, dans le Southern Shelf, et de le projeter dans les mâchoires de cette grande bête mécanique. Ouais, donc il faut que je revienne au début du jeu. Veuillez laisser vos dons d'organes dans le récipient. Alors, qu'on parle. Lui, il est automatique. Cadence de tir 6-5. Ah, peut-être pas tant que ça en fait. Ouais, tu sais quoi, hop. Non, en plus, en vrai, j'ai envie de voir les DLC. Pour voir ce qui se trame, pour qu'on nique des mères. T'imagines, hey, tu fais un let's play, t'es obligé de remettre une vidéo du nouveau let's play. 10 ans après. Enfin, peut-être pas 10 ans, plusieurs années après. Il y a encore un DLC. Bon! Faut que je refasse toute la route. Coucou. Robot Tom Tisley. Encore un cadeau pour mon jouet préféré. Viens me voir. Je comprends pas qu'on t'ait donné que la 3e place au concours.
Faut pas chercher une fille sans piège mort. Il a explosé. La douleur explose. Joli. Oh, les boss reviennent au dans le jeu là. Et juste pour le plaisir. Voilà. Bim bam bim bam boum boum bim bim. Ah gros, faut aller là-haut. Ah, un peu de level. Et 2 points d'XP quoi. Bon, bon, nique sa race. Regarde le WhatsApp. Ok, sinon salut Finja. Et bah oui, t'es là. Ok, j'ai vu. Finja, Finja. Finja, elle est toujours là, c'est bien ça. On vend des armes. Qu'est-ce Sinon, comment ça va, Finja? Approche, penche-toi et sniff la poussière. Sniff la poussière. La réplique à la hauteur qui tue. Robot en Isler. Faut pas tuer. Ah, là, c'est de la musique quand t'as de l'action. Ce qui me manquait un peu dans Borderlands 1.
s'ouvre. Voilà. Merde, balle. Ta mère. Faudra que j'achète des packs de munitions dans les mitrailleuses. Oh, que tu bandes là, Captain Flint, toi? Bah, tant pis pour l'arme. Mais qu'est-ce qu'il a sauté, ce con? Venir ici. Tu sais, si tous ces tarés veulent passer leur temps à se brûler les uns les autres, on devrait peut-être leur foutre la paix. Ce serait pas plus mal. Arrive, l'heure approche. Nous serons ensemble, Faucon Ardent. Enfin, nous serons ensemble. Va jusqu'aux commandes de l'incinérateur et fais ce qu'il réclame après tout. Je sens ton étreinte, Faucon Ardent. Je t'aime. Je t'aime tant. Ça fait bizarre quand même. Ça fait très bizarre. Qu'est-ce que t'as là-bas, toi? Ok. T'as l'intention de remuer quand je te tirerai dessus? Oh, pas comme ça. Va parler pour moi. Domo arigato, du con. Merde, je suis comment pour descendre? Attends, je suis sous dans la carte. Piège mort. Si je saute là. Gros méchant, zéro. C'est bon. Voilà, et dans le bas de l'ancien, tu meurs. C'est con parce que du coup on fait des missions comme ça et on a déjà trop level et du coup ça rapporte pas vraiment XP. Bon. En vrai je pourrais rusher le jeu aussi mais c'est pas marrant. Et parce qu'il y a des petites pépites en quête secrète. Niveau 2, qu'est-ce que je rapporte d'XP avec ça, toi?
faire des affaires. Passe le mot. Munition, Marcus. Je vais dire ce qui me manquerait, c'est le monster, mais... Pour une fois, j'ai des coca normal. Ça change du coca zéro que la mère achète. Merci, Torche. Nous, c'est l'heure du grand embrasement, jeune Torche. Nous allons sacrifier les païens à notre mère incandescente. Ah. Attends. Clayton a parlé du grand embrasement? Ça sent pas bon. À moins que ce soit juste une sorte de barbecue. Il faut garder un esprit ouvert, tu sais. Ces gens ne sont pas si mauvais. Tu te débrouilles à merveille, Torche. Après le grand embrasement, nous reposerons tous contre la poitrine chaleureuse du faucon Hardy. Les préparatifs sont terminés. Reviens me voir. Non. Et que commence le sacrifice humain. Ok, ça craint carrément ce truc. Va à ce grand embrasement. Si ça dépasse les bornes, je ferai une apparition. Fais gaffe. Où je vais, moi. Enfin, bref. Corps. Ah, putain, oui, il faut que je revienne. Comme si j'allais à la base du faux corps en fait. Attention, danger! Poids de boutassant! Ça veut dire que. Point de brutasse, c'est pire moment. Recharge de mon désarme. Délai de recharge du bouclier. Qu'est-ce que t'as? Tu crois qu'il va s'en tirer? Aïe! Oula, par contre lui... Piège mort, tu l'évites. Oh, merci, piège mort. J'oublie à chaque fois que ma grenade est la meurtrière. Vas-y, on n'a jamais visité en haut. Pain, 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 pain.
Heureusement que Piège Mort est là pour finir des brutales parce que. Ah, oh, ça rapporte un peu d'XP quand même. Qui me tire dessus? Je n'ai même. Bon, faut aller chercher un bordel. Là-bas. Pour ouvrir le coffre. Un coffre qui est même pas sûr d'être un bon coffre. C'est moi. Mais sa présence est palpable. Et sans pitié, ces horribles maraudeurs qui sévissent près du barrage de Dalle ont passé des semaines à assaillir les portes de Sanctuary. Puis ils se sont brusquement arrêtés. J'observe des traces de brûlure tout autour des camps. Sans pitié, aucun humain ne peut les interrompre si radicalement, si brutalement, si parfaitement. Ok, quelqu'un de badass. Putain, et Maya, ça veut dire quoi? Déesse de quoi après? Il faut ardent. Je sais pas trop c'est quoi l'élément de Maya. Et on a quoi comme arme? Une meilleure arme. Ok, je valide. Oh. Il a explosé. Mais je préfère quand même ma petite mitraillette de Moxie. Et en fait j'ai level up. J'ai level up. Et enfin on peut mettre ça. Et qu'on va faire des headshots. Ça va faire une tempête électrique. Je trouve que les armes de compétences sont quand même beaucoup plus cheatées que ceux de Borderlands. Parce que là c'est un critique. Donc en général un coup dans la tête. Ou enfin un point faible quoi. Bam. Après, ça c'est avec les armes électriques, ça va créer des dégâts incendiaires. Je recharge, pouf, explosion incendiaire. Enfin électrique, donc feu et tout. Tout est fait pour faire du mal. Et en plus, comme avec le DLC, on a encore monté de niveau. À la fin, ce perso c'est un monstre. Enfin, je teste vraiment un jour de up tout le monde à fond. Juste pour le délire. Je me suis perdu. On revient de venir là. Parce qu'en vrai, Elston, lui, avec ses tourelles, c'était comme tout devant lui. Bon, piège mort, je t'en parle pas. Défourailleur. Pas trop de dire parce que j'ai pas trop des fourrières. Le zéro c'est pareil, enfin c'est zéro, enfin le ninja robot là. Par contre Maya elle fait sa boule, elle a tous les éléments qui explosent, ça soigne tout, ça, je pense qu'il y a rien à dire. Et là, merde, je sais plus comment il s'appelle, mais le sadique là qu'on joue. Lui c'est un meurtrier, t'es au sol et il se lève avec une dynamite. Tu tues quelqu'un, pouf, tu te relèves. Parce que tu peux courir. Il est fait pour mourir tout le temps dans le jeu. Tu remontes tout ce qu'il faut pour faire augmenter les dégâts, explosions.
Peut-être ta vitesse de déplacement, je sais pas. Enfin, il connaît comme ça. C'est un monstre. Par contre, le pouvoir des sadiques, c'est une arme où tu le lances. Je trouve ça pas ouf. Aïe! Je pense. Putain, j'étais coincé. Ah, Bon, bah là, je suis vraiment une bite parce que. J'ai plus personne à tuer. Mais il est vraiment cheaté cette grenade. Et tant que j'ai pas une grenade spéciale effet de mes couilles et tout, je la garde. J'ai fait une petite ronde et on va rester au moins je sais pas combien de temps pour une série de missions à la con. Oh, il aurait déjà. Sans meilleur moyen de trouver Kainerinium, tu joues au casino. Faut de la thune. Mais avant de jouer au casino, vaut mieux. Je trouve que vaut mieux avoir une bonne arme chez Moxie. Genre, c'est ce que je vais. Et après, tu casses des culs. Ah, ils sont dangereux ceux-là. Apparence que j'ai déjà dû avoir. Oh, la fusion entre un mini boss et un Goliath. Clayton. Les flammes.
Tu as super bien géré cette histoire de culte. Je te jure, être une divinité, ça craint. Oh, oh, on vous doit la vie, chasseur de l'arche. Oui, vénérez le chasseur de l'arche. Vénérez le chasseur de l'arche. Oups. Reviens. Reviens me voir. Putain, c'est long de cette époque. Oh, l'iridium que j'avais lâché ici. Ouais, vous me meurdez, hein, les monstres. De toute façon, attends, j'ai une autre quête à faire à côté. Tu as déjà simulé ta propre mort ? Pas facile. Je l'ai fait il y a 2 ans pour semer les tueurs d'Hyperion, mais apparemment, un bandit m'a espionné tout ce temps. Et il compte tout dire à Hyperion, sauf que tu l'élimines avant. Attends. Ils m'ont suivi jusqu'ici ? Ok. Hop, ça va ensemble. Donc marché, c'est Glock. Autolock. Oh, j'aurais pu faire ça dès le début. Enfin des ennemis à mon niveau. Il prend pas de dégâts, quoi. Bien joué, petit. Découvre que je suis en vie et avec les pillards écarlates, ils risquent de nous refaire le coup de New Haven. Ça change de celui, je suis ton père. Borderlands 1, on s'arrêtait pas et tout.
Bref, le truc, il est là. J'adore cet endroit. Hyperion t'y retrouvera jamais. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi... Lec possible? J'allais dire ravissant. T'as attaché des cadavres carbonisés de bandits autour de l'entrée. Certains cadavres sont ravissants. J'adorais notre maison à New Haven. Il faut que j'y aille. Bien joué, Lily. Des gargos. Elle écrase. Bon, bah tant pis pour la voiture. Hop. Il est où le truc écho de sa mère? Je suis baisé dans ma tête là. Ah! Alors qu'est-ce qui est si urgent? J'ai liquéfié un type. Redis ça. Je chassais et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et un de ses adorateurs dégénérés m'a vu. Alors je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et il s'est... Liquéfié? C'était... incroyable. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ouverture de l'arche ou parce que je suis une sirène ou les deux, mais j'adore cette... Numéro 5, on vit! Ouais, je me suis évanouie plusieurs fois. Mais ça pourrait tout changer. Ok, mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un écho? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici en prenant le risque qu'Hyperion découvre que tu travailles encore avec les pierres incarnates? Parce que... tu... Comment tu vas? Je m'en vais. Ok. Et la Tower, elle va sortir avec Axton après. Que les soldats des équipes. Aïe. Mais en plus, je viens de dire une connerie. Tous les bandits de la toundra pour que toi tu puisses te concentrer sur Jack. Mais tu sais, je peux aussi laisser tomber mon truc du faucon ardent et les sans-pitié prendront le sanctuary. Non, tu as raison, bien sûr.
Tu es sûr? Je peux te faire un chocolat chaud. On parlera des gars. Je... Ouais... Il faut les trucs de jalousie. Ouais, les tirs... Tu veux pas de moi? Ok, la prochaine fois je t'en vais chier. Et après l'autre mec il venait et après il fait ah mais non mais casse-toi. Ouais, je m'amuse. Les flingues, merveilleux flingues. A plus, chasseur de l'art. Non. Bien assuré. Mieux. Des flingues, des flingues. Et en plus, c'est même pas la même arme. Ne vous faites pas tuer. Même pas d'arrêt de dire non, les machines à laver ce coup-ci. Culte mon cul, des incultes, oui. Ah ! Merci. Moins Hyperion. Ah, il sera certes beaucoup moins puissant le bouclier. Mais. Tu n'as pas. Vous allez voir. Écho, j'espère. On n'est jamais assez bien armé. A plus, chasseur de l'arche. Il ne reste plus que une mission. Hop. Happy ping. Bah, parfait! Je t'ai déjà dit, mais tout bois, tant pis. Bah, je suis con! C'est là-bas. Ouais, pas grand monde, on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Ils sont là pour l'otage. Fumez-les. Tu sens comme ça. Impossible que tu rentres comme ça. Et sans pitié, laisse rentrer que les bagnoles qui ressemblent aux leurs. Va voir ma sœur dans le test. Elle pourra te mettre sur un bon coup. Donc du coup, en fait, comme je te le dis, parce que j'avais jamais tilté que c'était le fils de Moxie, Scooter. Ça veut dire que Moxie a une fille aussi. Ça se trouve, elle a un gosse par mari. Par des anciens maris. Mais attends, vu l'âge des leurs enfants, c'est une cougar, en fait, Moxie. Alors ça y est, t'es dans le test. T'as plus eu de signal écho pendant des années, tu t'es fait avoir. Mais t'es toujours là. Cool. Tout ça. Mmh.
J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps. Pardon, tu disais? Parle un peu plus fort. C'était génial. Ah, salut. T'es déjà là, toi? Coucou. Moi, c'est Ellie. Mon frangin scooter m'a prévenu que tu venais. J'ai pas beaucoup de visites par ici, surtout des canons comme toi. Tu pars sauver ton patrolant qui est retenu au barrage? Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitiés au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé le conducteur dedans. Désolée. Bon, j'ai une caisse standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut. On va la maquiller avec des conneries des bandits. Pointe, sang, crâne, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leur caisse qui patrouille dans le coin. Ok. Mais avant tout... Bonjour toi. Demande de survol de la... J'ai la rage, mec. Mes potes m'ont viré de leur équipe d'hélico et il fait de sens faisant une partie de volleyball à tête de sadique. Vole leurs balles et brûle leur filet. Faut que tu fasses péter les bagnoles de bandits pour pouvoir récupérer le matos sur les étapes. Et tu veux ce boss, il te traite de tous les noms, hein. Après, c'est encore plus marrant de l'écouter. Alors comme ça, tu t'entends bien avec ma sœur, hein. Super, super. Bien sûr, si je te prends à te foutre de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je fous le feu. Mais c'est super, hein, que le courant passe entre vous. C'est chouette, hein. Vraiment, vraiment. Dans le campement, détends un cow-boy, trouve leur ballon de volet et chope du carburant. Ok. Au fait, ma station autolock refonctionne maintenant. Alors ramène ton derche à mon garage si t'as besoin d'une caisse. Ouais, en fait, enfin des ennemis à mon niveau. Faut pas chercher une fille sans piège mort. Merde. Voilà, c'est pas qu'une simple explosion, c'est plusieurs explosions. J'avoue bien ce détail. Tu réfléchis, t'es mort. Putain, aïe, aïe, aïe. Ouvre-moi la bouche. Tu commences à me gonfler. Ah ouais. C'est oui. C'est une connerie encore ça. Des fois t'as des bonnes armes, des fois t'as un canal. Oh
Oh, pour un glotte enragé, je trouve qu'on a pas gagné beaucoup d'XP. Hein. Oh ta mère! Ah non, c'est moche! Oh, c'est bon! Numéro 5, on vit! Oh non, mais il est cheaté! Oh, je la kiffe! Oh non! Oh si, c'est bon. Ils m'ont viré parce qu'ils trouvaient que j'étais trop débile. Mais tu vas leur montrer, hein. Tu vas leur montrer que je suis un gars dangereux, moi. Mais ta mère, j'ai une arme à feu! Mon bouquet de feu, il a pas fait effet. Ah, mais c'est de la baise. Alors, les statues et tout, ça marche, et ça va te faire foutre. Ok. Ok. Bon. Je me suis fait baiser dans l'histoire, moi. J'ai une arme à feu là, tu peux le brûler, connard de jeu. Non, ça c'est de la baisse pour le coup.
Oh, pisse bien, connard! J'utilise du feu dans le filet! Foutez de ma gueule! Ah, c'est une douille énorme quand même! Oh, dis-moi qu'il y a une arme à feu, s'il te plaît. Non, je m'en fous des mods. C'est la douille, c'est la douille, c'est la douille, c'est la douille, c'est la douille. Ils ont pas pensé à se dire, tiens, on va te passer une arme à feu, tiens. Connard de jeu. Que par le plus grand des hasards. Y aurait-il un flingue caché en feu? De l'odium. J'ai une grenade électrique. Comment on se fait baiser dans le jeu sans arme à feu? Si, j'ai une arme à feu qui ne fonctionne pas sur l'autre connard! Mais quand même, y'a pas de marchand d'armes! Et bah, je suis obligé de descendre!